Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous saluer sur le site de construction où il y a la construction du bureau d'études de Sevelmash en pleine marche. C'est Alexandre Sudarev comme toujours et c'est le jour 28 du montage. Notre dernière vidéo que nous avons tournée vendredi, c'était le jour 25 du montage et il y avait beaucoup de bons commentaires et la vidéo a suscité beaucoup d'intérêt. La vidéo a été faite en format description vidéo. Nous avons décidé de continuer cette tradition et de tourner donc la continuation. Deux jours se sont écoulés, mais la nature des travaux sur le site de construction a changé. Et maintenant, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu avant. Maintenant, regardons étape par étape et voyons ce qui était déjà là et ce qui continue et ce qu'il y a de nouveau. Maintenant, derrière moi, vous voyez le début du montage des volets d'escalier. Il y a des travaux liés aux armatures, au béton, et bientôt, cela aura l'air nouveau. Mais à part cette volée d'escalier, il y en a d'autres. On va s'approcher de cela un peu plus tard. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu des bases de béton où on met des poutres en béton. Ici, vous voyez quatre assemblages d'ancrage qui sont mis avec beaucoup de précision. Et cela assure la position correcte de l'armature. Pour atteindre cet effet, il faut effectuer des travaux préliminaires. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Maintenant, nous sommes en train de voir le conducteur déjà installé. Grâce à ce conducteur, on nivelle les assemblages d'ancrage. On voit le coffrage grâce auquel il y a de la coulée du béton et il y a cette construction en métal. Cela s'appelle un conducteur. C'est également vissé avec des assemblages d'ancrage. C'est vissé dans la base de béton et ainsi on met l'angle correct d'inclinaison. Voici, voilà comment cela se passe. Allons plus loin. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sable par terre et le niveau du site de construction continue à grandir. Il y a les travaux de remplissage des volets d'ascenseur, des puits d'ascenseur et la chose la plus intéressante qu'on pourra voir, c'est comment on effectue les travaux avec les volets d'escalier. Vous voyez une multitude de coffrages qui ont été installés un peu plus tôt. C'est nécessaire pour effectuer les travaux de béton et couler du béton. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Des choses que vous n'avez pas encore vues. Cela, ça va voisiner la rue. Ça, c'est l'entrée, la porte. Et ici, vous voyez une fenêtre future. Ici, il y aura la rue. Ici, les employés pourront passer à l'intérieur et monter là où ils voudront aller. Allons plus loin. Sur le site de construction, il y a de l'équipement qui est en marche, donc il faut suivre toutes les précautions et tout sera bien. Arrêtons-nous ici et regardons en haut. Vous voyez, les constructions en métal ont maintenant des bordures. Les bordures sont nécessaires pour former des planchers. Pour cela, donc, il y a une bordure et on a commencé à mettre des feuilles de profil. Après la fin de cette procédure, il y aura la coulée du béton et il y aura le plancher sous nos pieds qui permettra aux bâtisseurs de bouger et de continuer les travaux. La bordure est faite sur tout le périmètre et c'est un nouveau type de travaux. On ne nous avait pas montré cela avant. Si on monte la caméra encore plus haut et si on regarde la toiture, ou plutôt son absence, on verra les éléments nécessaires de la toiture qui, par la suite, se transformeront en toiture elle-même. Allons plus loin. Maintenant, nous sommes entrés dans un bâtiment annexe, sans étage. Ici, beaucoup de vous ont déjà vu qu'il y a des dalles du sous-sol, des dalles installées. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Si nous regardons de ce côté-là, nous verrons également une bordure. Et un peu plus haut, peut-être vous ne pourrez pas voir très bien, mais on demandera au gars de tourner cela de l'autre côté. Il y aura des éléments où on va mettre
le revêtement du bâtiment. Le processus est bien en marche. Très bientôt, le bâtiment aura l'air fini. Les travaux continuent pour mettre les volets d'escalier. Et ici, il y a une très belle vue de groupe de rampes. Ici, il y aura l'entrée des camions, des véhicules lourds pour faire le chargement, le déchargement, les camions pleins de matériel, d'équipement. À droite de moi, vous voyez beaucoup de constructions en métal qui attendent d'être installées. Je pense que cela va se passer bientôt. Allons plus loin. Les travaux de construction, maintenant, se constituent de travaux d'armature, de béton, de montage. Il n'y a rien de globalement nouveau. Il y a un processus de routine qu'il faut mener à sa fin. Et la fin de ce processus sera donc la boîte de bâtiment. Et puis, il y aura une phase active de travaux de revêtement, etc. Et la nouvelle chose inclut la coulée des planchers en béton. Très bientôt, on pourra voir comment le bâtiment grandit. Cela dit, approchons-nous des constructions en métal et parlons de la coaxialité des ossatures. Dans les commentaires, on nous pose une question. Comment on achève une coaxialité et comment on ajuste les constructions en métal? Parlons tout de suite de comment cela fonctionne et qu'est-ce qui se passe. Entre mes mains, j'ai un boulon très rigide qui a le serrage contrôlé. Ici, il y a une construction de métal, il y en a plusieurs. Ce sont des entretoises de côté, des connexions, etc. Cette construction de métal assure la rigidité de toute l'ossature. Ici, il y a des trous qui sont bien calibrés. Quand on y met un boulon, il y a un écart, il y a de l'espace. Грасть о сет экара, есть небольшой люфт. Il y a l'ajustement final. Comment cela marche? La construction de métal est montée et serrée, mais pas tout à fait. Pas selon les normes. Après qu'une certaine partie de construction a été montée, on fait des travaux topographiques pour vérifier la coaxialité. On capte des millimètres, 2 mm, 3 mm. Et puis, il y a la fixation, la mise des angles corrects, et puis il y a le serrage final contrôlé. Après cela, la construction est placée parfaitement. C'est à 100% correct. Je pense que ceux d'entre vous qui ont monté des étagères de feuilles de métal, vous comprenez très bien comment cela fonctionne. Les pièces sont déjà calibrées, vont très bien ensemble et il n'y a pas de gros écarts, il n'y a pas de gros espaces. Pourquoi? Parce que sinon, les pièces ne pourraient pas être mises ensemble. Là, on capte des millimètres. Donc, je crois que cette réponse est bien exhaustive. Allons plus loin. Maintenant, regardons les dalles. Les dalles du sous-sol. Vous pouvez bien voir que les dalles sont de taille importante et donc, ils ont un poids important. Pour les mettre, il faut suivre des normes technologiques et des règles technologiques. Regardons comment cela fonctionne. Les plus attentifs de vous, ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, ont pu voir que ici, les blocs de béton qui y ont été montés, là par exemple, vous pouvez voir, donc ces blocs-là dépassaient beaucoup le niveau de terre. Maintenant, le remplissage a été effectué. Maintenant, ils sont au même niveau que le sable. Et sur ces blocs, on mettra les dalles du sous-sol pour assurer la rigidité de l'ossature, la rigidité de la structure, de la construction. Cela sera couvert par des dalles. Qu'est-ce qui caractérise aussi les travaux de ce genre? Vous pouvez voir donc les feuilles de profil pour le revêtement. Ici, il y en a plus. On a mis plus de feuilles, plus de construction. Et je pense que très bientôt, on pourra se réjouir de ce processus également. Et cela aura l'air tout à fait différent. Et il y a encore beaucoup de travaux à faire. Je parle, vous savez, et je ne sais même pas de quoi parler, parce que d'une part, c'est du travail de routine qui se répète de jour en jour, et d'autre part, il y a toujours des nuances, il y a toujours des choses subtiles
qui sont tellement importantes qu'on peut en parler sans cesse. Donc, suivez notre chaîne, suivez nos réseaux sociaux officiels. On va vous dire toutes les nouvelles, toutes les actualités sur la construction. Et je vous souhaite de la chance, une bonne journée, être en bonne humeur et de la chance dans tout ce que vous faites. À bientôt. Отличного настроения, ну и, конечно же, успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч!